Donc nous là, on a pris le problème tout le temps. On allait nous retirer le problème. Très bien. Parce que moi-même, pas vraiment des gouverneurs qui résout le problème de kidnapping. Et de la vie, c'est lui-même. Donc, on ne peut pas demander pour la faire résoudre le problème de kidnapping. Donc, nous, là, on a pris résoudre le problème de kidnapping. On allait nous retirer le problème de kidnapping. Je dis à bay exactement 13 mois, 2 jours depuis Jovenel Moïse pas là. Nous pas même pas le temps pour le marcher et sous des pieds pour le capable quitter par le national, nous faisons sortir 2 pieds devant. Et même problème ça, gens que nous s'entendons, Jean Mona Metelus, les fins dit là, et bien depuis qu'il a retiré Jovenel Moïse dans le palais national, problème kidnapping dans le résoudre. Et qui ça nous a qui résoudre, mesdames et messieurs, journée jeudi. Jodi ki 9 d'août 2022, ki sa rezoud nan peyi a? Eh bien, vin genyen nèg opposition yo vin pi riche, nèg Jean Mona yo, nèg André Michel yo, nèg secteur démocratique yo, tout nèg ki te en face Jovenel Moïse, yo vin pran pouvoir, yo vin pi riche, et ki sa ki rezoud pou pep ayisyen? Pa genyen rien. Se jodi a pep ayisyen a pran bal nan men bandi, se jodi a bandi a fè et population vin pi pauvre et chaque fois yo kidnappe yon moun et pou jwenn kòb pou ap nan prete on paquet l'argent et pou a libérer fami ou. Et puis nèg sa ou se a toy yo sou moun, se a toy yo continue a parler et puis pep ayisyen li kwaze boal l'ap gade. Et ben nou pral fè yon coup de pied nan peyi Saint-Domingue et côté dimanche la genyen yon loray ki touye et des haïtiens, c'était 11 qui étaient ensemble, yo t'ap travail, t'es gagné un gros appli qui t'ap tombé, et bien l'oreille a tombé, tous les 11 haïtiens ont tombé, et bien mais c'est gain 2 dans yo qui mouri et gain 2 l'autre qui blessé. Mais bien avant, moi pas le fond coup de pied Barahona, ça et le mois passé primentaire en San Francisco de Macorís, moi pas le fond coup de pied ensemble avec nous Barahona. Côté la police immigration débarqué et te gagné t'assemblé ces populations qui reléo et qui fait qu'on est gagné un groupe haïtien qui vivent dans l'école qui en construction et bien au débarqué vinn arrêté yo malgré haïtien fait qu'on est c'est là que y a travail c'est eux même qui a surveiller construction hein? Et bien n'a pas le temps de qui comment et que yo répondre et compatriotes là comment que yo répondre ni et les nouvelles yeux nous les nous décider pour nous capable faire pays et pays par nous pour nous chita travailler dans pays nous n'a suspend pour un type de réponse à type de humiliation ça yo et non mais l'aime dit humiliation c'est nous même qui a baillé tête pour humiliation c'est nous même qui cause tout ça qui a passé ensuite. Las autoridades dominicanas intervinieron una escuela en la localidad de San Marcos. Allí los comunitarios denunciaron que el plantel educativo estaba ocupado por haitianos. Cuatro arriba, allá. ¿Y el camión? Revisen todo lo que agarren ahí, todo lo que encuentren en las aulas, suben al camión. ¿Tú trabajas aquí? Te voy a decir, tú trabajas aquí ahora. Revisen todo arriba también. Al momento de que miembros de la policía se presentaran a este plantel educativo que aún se encuentra en construcción, solo había dos personas que dicen trabajar cuidando esta obra. Sa que nosotros vamos a pasar en Barahona, en San Marco de Barahona, y yo me dis no, es decisión se nomé haïtien lié. Je me dis non, et ça passait imprimenter et Barahona, et côté haïtien ça yo, nous c'est deux seuls, et que immigration, la police, y arrive à joindre, malgré le fait qu'on est que c'est là qu'il y a travail, c'est même qu'il y a travail dans la construction, il a arrêté au camp même. Et je me dis non, si nous pas t'avons recevoir type de réponse, type de traitement ça yo, eh bien c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre décision. Nous avons un bel pays, nous sommes capables de faire pays. C'est nous-mêmes qui quittons le pays dans un paquet de vacabos, sanguinés, corrompus. C'est un paquet de politiciens, des grandes gauches. Eh bien, jour, nous-mêmes, peuple haïtien, nous apprendre et revendiquer le droit. Nous. Parce qu'il n'est pas possible pour un groupe nègre à finir ensemble avec les ressources du pays, avec propres ressources par nous, avec les taxes qu'on a payé, il a enrichi tête nous, puis nous-mêmes, nous plutôt à courir quitter le pays, nous pas jamais revendiquer droit. Et bien, nous parlons en San Francisco de Macorís, en primentaire, côté dimanche là, et il y a un groupe haïtien pendant qu'il y a travail, la pluie est tombée, et bien, il y a l'oreille qui est tombée. Et bien, il y a deux haïtiens qui mourent à l'instant, et l'oreille a boulé.
Et c'était 11 qui étaient ensemble, j'aime te dire, il y a deux qui blessés, ils pas blessés grave. Et moi, je vais inviter nous pour nous capables de suivre et explication que témoins qui étaient là et pendant l'oral a été tombé. Fallecieron en el lugar del hecho dos extranjeros haitianos en la tarde del pasado domingo, luego que fueron impactados por un rayo mientras se encontraban laborando en una finca de arroz, en un hecho ocurrido en la comunidad Los Limones del municipio de Pimentel. De acuerdo con declaraciones de un sobreviviente, en el lugar se encontraban 11 personas, de las cuales dos fallecieron y otras dos resultaron con leves laceraciones. Estaba trabajando como a las 9 y pico, estaba truenando. Sí. Entonces, parece que yo voy a salir. Ahí sí. Se cayó pues. Ajá. Sí, ¿cómo? Se cayó todo esto, como 11 de trabajar, pero se cayó, pero son dos, nada más que se murió. Sí. Entonces, ¿cómo son las personas, los muertos, cómo se llaman? ¿Eh? Los muertos, ¿cómo se llaman? Los... ¿Cómo se llama? Ya le buscar la... Peguero. No, él tiene su documento. José Luis, ven acá. José Luis. Sí. Entonces la finca de quién? De Musiquito. De Fundo Dondo. ¿De quién? De Fundo Dondo. Dondo. Ok, de Dondo. Sí. Okay. Pero que Dondo se murió y muchos de ellos están trabajando ahora. ¿Qué ellos hacían en esa finca? Sembrando arroz. Estaba dando limpieza. Limpieza. Ajá. Estaba dando limpieza, entonces estaba lloviendo, entonces que... Ahí cuando que ellos va a salir, los 11 cayeron. Está lloviendo mucho. Entonces el rayo está haciendo gordo, nosotros está saliendo. Sí, nosotros está saliendo. Antes de 11. Yo y otro está adelante y los otros está atrás. Y cuando yo llega afuera, yo tomo el hay dos que se mueren. Yo tengo moto y yo, ni manejan, yo no puedo manejar. Cuando llega el dueño estaba aquí, llegó el dueño. Vamos a ver si está muerto de los modelos, vaya a ir. Después vine, dijo los modelos, nosotros y para el hospital, después que está viendo, bueno, mira cómo está. O sea, eso fue producto de la quemadura de rayos. Hasta el momento, los cadáveres fueron identificados como Camilo Alisma y Fausto José, aproximadamente entre 27 y 33 años de edad, según sus compatriotas haitianos. Para NTN, Ramón Hernández.